Hey yo tout le monde, c'est Rajada. Voilà, la vieille habitude. Super. Salut à tous, c'est For You. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur le deuxième épisode de Batman Arkham City. Alors, on devait transporter Poison Ivy. Encore une fois. Bon, encore une fois, ouais, bon. Alors, je suis désolé pour la dernière vidéo. Voilà, Batman Arkham City épisode 1. Car c'était en 30 fps, ouais. Là, on est sur du. Ouais, super. Voilà. C'est du 90. C'est. Ah, comme merde! Y'a pas un peu trop de tank là par hasard? Oui, c'est vrai que j'ai barrage de missiles. Voilà. Alors, on m'a donné un petit conseil en message privé. C'est au fait avec la mitraillette, tire dans les petits trucs bleus là, apparemment ça one shot les tanks. Ah ouais, c'est vrai. Attends, on m'a dit de changer la vue. Est-ce qu'on a un mode FPS? Ah non, pas du tout. Ah non, merde. Voilà une petite impression que je bats tout. Allez, alors on va avoir le GCPD. Clairement au commissariat ou à la prison. Bon. Et voilà. Pour emmener Poison Ivy et sûrement l'enfermer. Hein, enfin, je sais pas, normalement. Poison Ivy est une méchante, normalement. Alors si vous voyez que des fois le jeu s'arrête un coup, genre en mode ça s'arrête un coup, et ben au fait il y aura une petite icône de le Batman là pour là qui charge, et donc ça veut dire là pour là que le jeu charge, donc c'est ne vous inquiétez pas les amis. Alors, attendez un petit coup, j'ouvre ma fenêtre. Voilà, j'ai l'air con. Aïe, oh, putain de merde. Je vais mettre mon fil de casque un peu partout. Le GCP. Window. L'analyse de la toxine de terreur donne quelque chose. Ça prend encore un peu de temps. Passez me voir à la tour de l'horloge quand vous pourrez. Je vous montrerai où j'en suis. Qui t'a appris à conduire? Je
puis-je parler? Merci Alfred. Alors, je crois que première apparition d'Alfred, d'ailleurs. Oh, merde. Ah merde, ça demande, je vais le découvrir un peu plus tard. Allez, allons-y. Voir un truc. Non, merde, on peut pas sortir. D'abord, on a perdu le contact avec l'équipe de pompiers de la station 17. On a leurs dernières coordonnées connues. Ils ne tiendront pas bien longtemps livrés à eux-mêmes là-bas. Ensuite, quelque chose d'étrange. Un corps a été découvert. On n'a pas pu l'examiner en détail avant l'évacuation. Mais les légistes ont été troublés. C'est pas beau à voir. Par ailleurs, l'homme mystère a été aperçu plusieurs fois en train de rôder vers le dépôt ferroviaire. Connaissant, il doit préparer un mauvais coup. Je sais que vous êtes occupé, mais le peu d'aide que vous pourrez apporter sera bénéfique. Ne vous inquiétez pas, Jim. J'ai quelqu'un qui enquête sur l'épouvantail. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. J'ai envoyé une. Ok, donc là, je peux sélectionner une mission. Soit, voilà. Soit je retrouve. Soit j'ai des missions secondaires. Donc. Je crois que pour l'instant, on va. On va aller à la tour de l'horloge, hein. On va aller à je notre base pour la première fois. L'épouvantail est la priorité. Putain, merde. Putain, j'en vois tous les squelettes des gens. L'épouvantail t'a filé entre les doigts ? On a cassé le poignet pour rien. What the fuck ? D'accord, merde, je crois que c'était. Ouais. On sort d'ici. Et on va à la tour de l'horloge. En fait, monsieur, je trouve qu'elle se traîne un peu. Je m'attendais à ce type de commentaire de votre part. Laissez-moi un petit moment pour activer la fonction de notre question. Merci, monsieur. T'as quoi? Post-combustion. Oh, alors quel est le réacteur? Ok. Oh putain, par contre, avec l'accélération, c'est chaud. Apparemment, il faut sortir de là. Allez, par contre, j'ai envie de vérifier un truc. J'ai peur de. Oh non, c'est bon. Désolé, hein, c'est juste que, disons, je préfère vérifier cette fois. Alors, si c'est semblable au film, de maman, il y aura... What, c'est quoi ça? C'est cette petite statue là qu'il faut. Ah voilà. Donc on nous explique le mode détection. Okay. Oh, j'ai un bataran. Lol. Bon, je présume qu'il faut utiliser ça. Le jeu est un petit peu lent pour l'instant, mais bon, comme tous les débuts. Sera
Oh, d'accord. Je sors en grappin. Pas est-ce que merde attends, ils m'ont dit un truc ah, d'accord enfin non c'est ce que je fais moi en fait regardez soit on peut utiliser le grappin genre voilà on a le grip on monte soit on peut utiliser comme boost c'est à dire ah. Voilà là. La dernière fois que je me suis frotté voilà. Batman, c'était il y a des mois, pendant cette histoire du protocole 10. Ah ouais, ça fait un bail. Il avait étalé plusieurs d'entre nous devant le monarque. J'ai eu une double fracture du bras à cause de ce taré. T'as vu? Il a l'air bizarre. J'appelle là pas mobile oh ça s'est placé automatiquement bon la batterie. Alors attendez, petite ellipse. Ok, super. Et voilà. Voilà, re. Petite ellipse. Voilà. Alors. On me dit de faire marche arrière, je fais marche arrière. Ah ouais, d'accord. Ok, là, je fais quoi? Genre je saute ça. Bon,
Bah, essayons, mais bon. Si je fais marche avant, ça fait quoi? Oh putain, le vert, c'est moi qui me suis cassé. D'accord. Ah, ok, je crois voir ce qu'il faut que je fasse. Non, pas ça. C'est ça. Ouais, voilà. Et là, je passe en mode combat et je ralentis direct. On dirait qu'en mode combat, je vole un peu, non? Non, pas du tout. Bon, en fait, là, ici, je préfère vraiment être en mode combat. Comme ça, je peux déplacer assez. Voilà, c'est comme ça. Oh putain, attends, ici je me rappelle. Mais alors, les gars, si vous voulez tout savoir, ici ça va être stylé. C'est-à-dire que. Voilà. Voilà, les gars. Et alors ici en fait faut gérer l'électricité. Ok, cool. Alors, par contre, je n'ai pas lancé de chrono. Bon, voilà. Je sais pas s'il faut que je laisse ma Batmobile ici. Espérons que oui. Quand même cool de pouvoir voler. Non, merde, c'est en bas. Les hommes de l'épouvantail surveillent mon traîneur. Je dois évaluer le danger et planifier mon attaque. Ah, d'accord. 5 soldats, tous armés. S'ils me repèrent, ils tueront l'otage. Je dois atteindre un point d'observation pour les attirer dehors. Il est. On ne prend aucun risque. Compris, chef.
Je me demande est-ce qu'on peut tuer quelqu'un en étant comme ça. Ah ouais, élimination silencieuse. Ah ouais, apparemment si je me prends une balle, je suis fini. Ah, apparemment on va avoir une nouvelle tenue. Merde. Ah, d'accord, genre Batman il veut une nouvelle tenue, mais bon. On aura une plaque. Voilà. Toujours cette Batwing. Cette nouvelle tenue. Multi-intimidation par intimidation. Mais multi-intimidation par intimidation. Oh putain, c'est un seul mon chien. C'était stylé. Ah, l'otage est mort, non? Ah non. Merde, c'est vrai que...
J'ai mis pas pour rien. J'ai oublié l'antenne en mode 2. Regard. Allez, allons-y. Putain, j'ai un appel toutes les 5 minutes ou... Ah non. Il faut que j'utilise les deux antennes pour identifier les fréquences et les micro-ondes dans votre table. Si je réussis à trouver l'endroit exact où les deux fréquences se rejoignent, je saurai où l'épouvantail fabrique sa toxine. D'accord. Putain, mais c'est pas ta rangue de la mort que tu mets. Alors en ce moment je tourne, en fait il y a une notification qui vient d'apparaître là de Ryan HD. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ryan HD, ami à moi, je mettrai le lien dans sa description si vous voulez. Et franchement je vous conseille d'aller le voir. En plus, il est en route pour les 2000. Donc, si vous voulez l'aider, et ben allez-y. Il a fait quelque chose de spécial. Oh, putain, avec le boost de grappin V2 maintenant. On dirait que ma cape est plus grande aussi. C'est Z et marche gauche, un dérapage contrôlé. Oh d'accord. Oh putain, le gros bug. Ils sont sympas.
Alors, pirater leur réseau. Merci Batman. Bon, je peux parler. Si j'accède à leur dossier personnel, je peux les localiser. Il y a un terminal de sécurité dans une cabine pas loin. Alors, on a bougé. Il y a 5 soldats, tous armés et dangereux. Avant de pouvoir accéder au terminal, je vais devoir les neutraliser. Ok. Oh, attendez, je crois avoir vu un truc. Ça a commencé. On dirait bien, oui. Ah, c'est la partie que je préfère. Prendre les gens par surprise. Avec les hélicos qui envahissent l'horizon et qui viennent réduire la cible. Charpie. Comment est-ce qu'on... Alors pourquoi t'es pas dans l'un des hélicos? J'ai mal digéré un truc l'autre soir. C'est une fracturation. Je me sens encore un peu mal. C'est dommage. Hey! Le problème, c'est que si je les tue, L'épouvantail a empêché le commandant de tuer Batman. Pourquoi l'épouvantail veut Batman en vivre? Aucune idée. Ah, et pourquoi le chevalier veut sa peau? Merde. Donc les masques ne pas la toxine de l'épouvantail. Non, et on n'a pas le temps non plus de sortir de la zone contaminée. Merci, c'est super rassurant. Et on parle de combien de kilomètres? 5? 6? Plutôt 5 ou 6. Ok, c'est bon. C'est bon. Les deux là. Voilà. Oh merde, j'avais pas pensé à ça. Voilà. D'accord, il y a que ça. Truc, ma cape elle est un peu buggée, genre je fais ça. Ouais, j'ai une cape, je sais pas si c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Sur cette image de Batman. Voilà. Putain. Voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à bientôt dans 2 jours pour un prochain épisode, l'épisode 3, où on attaquera Hashim Cole, enfin apparemment. Et merci d'avoir regardé et je vous dis au revoir. Vous voulez une blague? En fait, alors ma touche pour arrêter de filmer, elle fait. Changer de palette, donc je suis obligé d'appuyer sur le bouton bien gauche. Voilà, merci d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine fois.